Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est avec Mika. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Mika, André, Isaac, Ça va bien, merci. Bonjour. Nous sommes, comme vous l'entendez peut-être, sur un circuit de karting. Je le connais pas, lui connaît par contre. Je l'amène ici, mais je connais pas du tout. C'est genre la première fois aussi que je... C'est la première fois que je viens ici. Ah merde, d'accord, ok. Mais voilà, le karting, vous savez, ça a l'air cool. En plus, là, c'est le seul en plein air de Toulouse, donc du coup, on va voir ce que ça donne. Et profiter aussi pour faire des vues en drone. Voilà. Ah, mais... si on peut. Après, par contre, est-ce que c'est moi qui dois faire le vlog ou est-ce que c'est toi? Non, mais si tu veux, je peux reprendre la caméra. En fait, il a voulu me filmer la gueule, mais bon, j'espère en tout cas que les vlogs précédents vous ont vachement plu. Max qui est là-bas, qui est en train de regarder la Clio RS qui est ici. Bon, bah, on va faire un peu de karting. On va voir si on peut mettre une GoPro ou quoi que ce soit. Et puis, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Tu peux nous présenter ce avec quoi t'es venu aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un drone. Ah, t'es venu en drone? Ah ouais, toi ouais, quand même. Je me suis accroché dessus et voilà. Ouais, d'accord. Combien de chevaux ce drone? Je dois prog. D'accord. Tu stages 3 dessus? Ouais, stage 3. Ouais. Changer les hélices, j'ai mis des forgés en aluminium. Ouais. Là, je pense passer en carbone quand même. Ouais, je pense. C'est une bonne idée, frérot. Je pense à une gestion à l'éthanol. Parce que là, il est à l'électrique. Ah, ouais. L'autonomie est chiante, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais il doit avoir la patate, non, quand il démarre Ouais, un peu comme le Tesla. Bon, du coup, les amis, en attendant, parce qu'on a, faut qu'on attende 25 minutes, je vais vous faire un petit plan en drone. Encore un grand merci à Studio Sport et le magasin DJI qui m'ont prêté de nouveau ce drone pour la deuxième fois. D'ailleurs, il y a un code promo de 3%. Je vais en faire une autre vidéo où j'expliquerai. Je vais demander ça pour vous en fait. Ça peut être intéressant si vous souhaitez acheter un drone ou quoi que ce soit. Moi, je gagne rien du tout à ça. Hein. C'est juste qu'ils me prêtent des drones. Moi, je vous donne 3%. Tu vois le délire. Donc, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Encore un grand merci à eux. C'est parti, ça. Mais attends, mais pourquoi décollage impossible là? C'était à côté de l'aérodrome. Tu crois? Ah oui. C'est sûr. Ouais. Ah ouais, merde. Bon bah après cet échec, je suis vraiment déçu, franchement j'aurais vraiment voulu faire voler ce drone. Bon, on va se consoler en regardant les mecs qui ont le diable. Mec, c'est hallucinant. C'est un truc de ouf hein. Moi je l'aurais jamais. Ah ouais, non, moi non, mais moi t'es un ouf. Le mec il a son genou à ça du sol. C'est Valentino Rossi le mec quoi. Waouh. Il y avait pas un truc avec des combinaisons que les mecs dans les trucs de MotoGP ils ont des roulettes au genou. Ah, c'est pas impossible parce que franchement, mec, mais t'as vu comment ils prennent les virages dans les MotoGP? C'est ouf. Incroyable comment ils font ça. Encore pire qu'eux alors. Oh, ouais, non, mais. Alors, eux, déjà, c'est un truc de ouf. Wouah, lui. Ouais. Ils sont pas là pour rigoler, les mecs. Raconte-nous ton historique. Toi, t'as fait du tuning avec des scooters, non? Ouais. J'avais un booster. Attends, c'était un Spirit. Naked de 2013, je crois. Attends, 2013? Non, 2013, non, j'avais fini mon truc. Bah non, je suis con. Je sais plus de quelle année il était, bref. Et je l'avais mis en kit BCD, full BCD. Et à l'époque, BCD c'était un kit tuning genre R8, ça faisait en fait un peu. Et il était stylé, il était stylé. Et t'avais fait une reprog dessus, un truc ou? Non, j'avais mis un kit. Enfin, j'avais changé tout le variateur, donc les galets, tout le bordel. La courroie en Kevlar, j'avais mis, enfin un truc de ouf. Putain, what the fuck. J'avais mis le Vidalo S2R en pot, c'était un pot de ouf à l'époque. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais pas changé le piston, le cylindre et tout, parce que ça c'était quand même complexe. Et je crois que c'est tout. Si, j'avais mis un cornet aussi. J'avais augmenté le carburateur, j'avais mis un cornet, ouais, il était... Oh, putain, mais attends, mais tu prenais combien avec ça, là? Wow, 90-100, facile. Merde. Ah non, mais c'était... Mais tu les as déjà pris, non? Ah ouais, 90, oh allez, wow. 100 en descente. Mais ah, 90, ouais. Bien facile. Putain, t'es vraiment un ouf. Ah, moi, jamais je tenterai un truc comme ça avec ça, quoi. Ah, il était tuning. Putain, vache, quoi. Bon, pas de drone, mais par contre, j'ai pris une GoPro, donc normalement, ils ont un casque avec un support, donc ça va être sympathique. Bah, vous allez voir à quel point je suis nul en carte. Non, moi j'ai le diable, c'est-à-dire que je freine jamais. Je fais comme quand dans Gran Turismo, je me prends les murs comme as. Non, ça va être marrant, vous allez voir. Et on attend du coup, et il y a quelque chose qui me donne envie. Je vais faire une petite descente ici là. Mais je pense que je vais casser le truc. Ouais, je vais casser le truc. Mais je serais capable de faire la descente là. Si le truc tenait, je serais capable. Bien sûr. Tout ça pour vous les gars. Il fatigue le mini scooter à côté. Ouais, le mini scooter à côté là. En plus le klaxon il fonctionne même plus. C'est un peu ma Twingo ça. Bonjour jeune, tu veux quoi à manger ce midi hein? Steak frites hein? Ou poulet mayonnaise? We'll be right back.
T'as le kart les gars. J'ai roulé comme l'enfer. Bon bah du coup on a fini le kart. Et là du coup on est passé chez Audi. Faire un petit tour tranquille. D'ailleurs regarde, c'est marrant parce que là on a 2 à 7. Regarde les phares, t'en as un qui est Matrix et un qui est pas Matrix. Et je crois que c'est celui de droite qui est Matrix. Là du coup la nouvelle A6, moi je trouve très sympa perso. Oh la nouvelle A7. Ah elle est tellement belle. Ce que j'aime beaucoup c'est ces phares là en LED. Ça lui donne un regard tellement agressif à celle-là. Elle est belle hein. Le capot. Ouais il est incroyable, les nervures sur le capot c'est vrai que c'est incroyable. L'arrière je suis un peu moins fan de ça là. La barlette qui se rejoint, elle est très sympa. Salut. Bon, on est allé faire des courses, pour ce soir on va faire un petit barbecue. On va faire un petit barbecue des familles. Et et Mika a un drone. C'est quoi déjà le Phantom 4, c'est ça? Phantom 4. Pro ou normal? Normal. Et donc du coup, on va faire une petite course avec le Mavic et on va essayer ça. Parce que bon, comme je vous l'ai dit avant, je voulais essayer de faire voler le drone. Mais j'ai pas réussi quand on était au karting, je suis un peu déçu. Et donc Mika m'a proposé de faire une course de drone. Très bonne idée, on va essayer ça, allez. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bon bah, on a fini la petite session de drone. On va dire que ça s'est un peu mal terminé. Le drone est un peu frappé. Vas-y, explique un peu qu'est-ce qui s'est passé là parce que... Alors le drone, il était bizarrement plus contrôlable. Je l'ai dit, atterri au point où tu as décollé, qui est ici, à côté. Il a commencé à atterrir, juste là, et les pales en fait ont tapé sur l'écran, mais énormément quoi, et voilà, bon. J'ai pas repayé un écran quoi. Voilà. Salut. Oh putain merde. Bon, ça arrive. Ça arrive, c'est pas grave les gars. Tant qu'il fonctionne et que je peux faire des trucs dessus. Putain c'est marrant quand même comment ça fait, regarde. On voit toutes les couleurs des LED. Moi à la base je voulais filmer les avions qui atterrissaient et bon bah, voilà quoi. Je vais t'apprendre à faire un barbecue moi jeune. Rigole pas comme ça. Regarde-moi quand je parle. Regarde-moi. Donc ça s'appelle une cheminée. Ça s'appelle du charbon. Tu mets le charbon dans la cheminée. Pas le charbon dans la cheminée. Voilà. Ensuite tu prends. Jeune. Moi je sais très bien ce que je dis à mon âge. Pas besoin d'un petit con pour me rappeler comment on parle. Hein. Oh putain mec. Donc tu prends des allumettes. Tu les mets en triangle, toujours. Toujours jeune. Parce que si tu les mets en carré, ça marche pas. D'accord? Ensuite, tu prends un briquet bic. Bic. Très important, ouais. Voilà. Là, il y a du vent, donc ça marche pas trop. Ah, la conne de sa mère. Et là, t'allumes. T'allumes les briquettes. Ça prend vite, ça prend vite. Comme un cadavre. Voilà. T'as mis 3, c'est bon? 3 direct. Oh, jeune, regarde-moi le vent, là. Il me fout tout en l'air. Le barbecue. Et là ensuite, tu prends la cheminée. T'es vraiment malade. L'autre il chasse les charbons avec le brique. Putain, à cause du feu. Et là voilà. Et dès que la fumée est blanche, jeune, ça veut dire que le barbecue est prêt. Tu peux poser la viande. Oh mec, oh, je me retiens de rire parce que franchement. Oh putain. Ah franchement Mika il me fatigue. Les gars dites-vous que sur sa chaîne YouTube Gary School il est quand même autant fou que ça. Oh là là, un malade le mec. Ah, dès qu'il voit de la viande il pète un câble le mec quoi. 3 côtes de bœuf. Ouais c'est vrai que là on s'est fait un petit plaisir là. Un petit. Ouais un vrai gros plaisir. On est là, on a pris un petit apéro et en plus on va se taper ça. Ouais laisse tomber, on est vraiment des malades. Hein. Merde. Fini ça. Merde. Thank you.